Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une très belle année 2023, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère vous retrouver tout au long de l'année sur cette chaîne pour de l'inspiration et de la créativité. Pour commencer l'année, je voulais faire ce que je fais de mieux, c'est-à-dire donner mon avis alors que personne, absolument personne ne me l'a demandé. Et je vais donc vous donner mon avis sur les tendances graphiques annoncées pour 2023. Et on commence tout de suite. Il faut boire hein, parce que là je vais beaucoup papoter. Hein. Alors la première tendance qui est annoncée, c'est la tendance Y2K à esthétique. Désolée pour mon accent. X cyberpunk. En gros, la tendance Y2K, donc la tendance année 2000, était déjà un peu d'actualité en 2022. Mais là, on va la pousser à fond et la mélanger à tout ce qui est un peu inspiration cyberpunk. Et donc cette tendance, elle est inspirée du développement d'internet, de la 3D, des typos métalliques. Elle met en avant des couleurs pastel, du collage, des techniques do-it-yourself comme des lettres gribouillées, du découpage, des polices dépareillées et des collages chaotiques. Bref, ça donne lieu à des compositions complètement désordonnées mais visuellement très dynamiques. Alors moi, clairement, cette tendance, mais je l'adore en fait. Mon enfance, c'est les années 2000, donc pour moi, c'est beaucoup de souvenirs, c'est Clueless, c'est Lizzie McGuire, bref, c'est toutes ces séries que j'adorais. Je fais une pause dans le montage, en fait je suis en train de me rendre compte que je suis totalement la réplique de Lizzie McGuire et ça me fait trop rire en fait. Cet univers dans lequel j'ai grandi et que j'ai aimé, et du coup forcément j'adore cette tendance, mais par contre utiliser avec parcimonie. Je trouve que par exemple quand il y a une marque fast fashion comme par exemple Bershka ou Pull&Bear, je sais plus laquelle des deux a fait cette collection, bah je trouve que ça les rend encore plus cheap, alors que si par exemple Jacquemus utilisait ce visuel, ça me choquerait pas. D'ailleurs il a déjà utilisé des visuels un peu dans ce type avec des dégradés. En tout cas j'adore cette tendance. Après au niveau de même mon graphisme perso, le graphisme de ma chaîne YouTube, c'est une tendance graphique que j'utilise déjà depuis du coup le lancement de ma chaîne. Donc personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je valide cette première tendance. Donnez-moi du Y2K cyberpunk, s'il vous plaît, pour 2023. Je veux voir. On passe à la deuxième tendance. La deuxième grosse tendance que l'on voit venir pour 2023, c'est la tendance de l'intelligence artificielle design et du surréalisme. Elle met en avant un monde virtuel, les nouvelles technologies. Parce que là, on a vraiment, ces derniers temps, assisté à l'émergence de l'art issu de l'intelligence artificielle, du métaverse, bref, tous ces éléments que je ne maîtrise pas du tout. Et donc on a tout cet univers un peu virtuel, ces compositions exploratoires, et je pense que vraiment, cette nouvelle tendance, elle met en avant l'exploration et le monde virtuel. Donc on a beaucoup de paysages un peu fantastiques, on a beaucoup de filtres et d'applications qui travaillent en fait des photos de votre visage pour en faire des personnages de fiction. On a tout cet univers là qui est a priori une des tendances 2023 et je trouve ça surtout incroyable d'un point de vue technique parce que c'est vraiment voilà beaucoup de travail, beaucoup de temps pour réaliser de telles images, mais en fait après c'est pas du tout une tendance vers laquelle j'ai envie d'aller parce que bah déjà je la maîtrise pas à 100% et en plus c'est vrai que l'univers jeux vidéo c'est pas spécialement un univers qui me touche. Donc voilà, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez et si vous tentez l'IA design en 2023. On passe tout de suite à la troisième tendance. J'ai l'impression qu'elle passe partout là. La troisième tendance, c'est un peu du vu et revu. C'est-à-dire qu'on la met encore dans les tendances 2023, mais j'ai l'impression qu'on la voit depuis pas mal de temps. Mais c'est pas pour me déplaire, c'est la tendance des dégradés. On va encore en voir beaucoup des dégradés de couleurs et personnellement, je suis fan des dégradés de couleurs. Je crois que je m'en lasserai jamais. Et du coup, cette année, c'est des dégradés utilisés de façon un peu plus rétro, plus texturé, plus doux, plus diffus que les années précédentes, qui fonctionne tout autant. Et personnellement, j'adhère complètement, je m'en suis pas encore lassée. Je sais qu'il y a beaucoup de graphistes qui en ont marre, que c'est vu et revu, qu'on se le coltine depuis pas mal d'années le dégradé, mais franchement, moi, je m'en lasse pas, les gars. Genre, j'aime trop. Donc, désolée. Ensuite, la quatrième tendance, c'est la tendance du mysticisme. Une tendance iconographique liée à l'astrologie et l'art divinatoire. L'art en général et les tendances artistiques sont là pour nous sortir un petit peu de notre réalité et nous emmener dans des esthétiques un peu magiques. Et là, c'est le cas avec cette tendance. On retrouve beaucoup l'iconographie du ciel, la lune, les étoiles. Des couleurs, on est sur du doré, bleu marine. Je trouve ça très joli. Après, c'est pas du tout une tendance que je pense adopter. C'est pas mon univers spécialement, même si j'adore l'art divinatoire et l'astrologie.
C'est pas du tout ça le problème. Moi j'ai plutôt une patte minimaliste et là au contraire c'est beaucoup de détails, beaucoup d'éléments sur un visuel, beaucoup d'éléments très fins. Dites-moi ce que vous en pensez. Après voilà, c'est un peu une niche, on peut pas l'utiliser sur tous les sujets. Alors la cinquième tendance annoncée pour 2023, c'est la tendance des mascottes. Alors il y a des études qui ont montré que là depuis le Covid et depuis l'inflation etc, toute la situation actuelle, les consommateurs sont un peu méfiants des marques, un peu craintifs, ils ont l'impression de se faire rouler. Et du coup, les marques ont décidé de revenir un peu à la mascotte pour susciter la sympathie du consommateur, la sympathie du public. Des mascottes assez minimalistes et on en voit de plus en plus donc à vos mascottes. Alors personnellement, je trouve que la mascotte, c'est intéressant parce que ça permet quand même d'identifier une marque. Et vraiment, toutes les marques ont des mascottes, en général, on les a en tête. CTLM, Duracell, Chocapic, bref, toutes ces marques-là qui ont des mascottes, on les a en tête. On les assimile beaucoup mieux, c'est vrai. Par contre, je trouve qu'elles ont tendance à vieillir beaucoup plus vite. Donc là, je trouve que le lier au line art, c'est-à-dire des mascottes vraiment en mouvement, qui ne sont pas statiques, mais qui vivent selon... les besoins de communication de la marque, bah, je trouve ça beaucoup plus intéressant, beaucoup plus moderne. Et là, j'ai envie de dire pourquoi pas. La sixième tendance, c'est la dimension mixte. J'ai relevé une phrase dans un article qui disait « Plus nous passons de temps en ligne plutôt que dans la réalité, plus les frontières entre les deux peuvent sembler floues. » En fait, c'est totalement ça, cette tendance 2023. C'est vraiment le mélange entre l'irréel et le réel, le mélange entre des photos et des illustrations. Donc la tendance de la dimension mixte, personnellement, c'est une tendance que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisée pendant mes études. J'ai beaucoup fait de photographisme, donc c'est en fait dessiner par-dessus des photos. J'adore et je trouve que ça peut très bien fonctionner pour le secteur, par exemple, de la mode avec des couvertures de magazines ou, par exemple, des couvertures d'albums. Par contre, là, j'ai vu dans les exemples qu'il y avait des packagings, le produit en photo et le reste en graphisme ou illustration, et là attention, ça peut faire un peu cheap je trouve, donc c'est vraiment une tendance qu'il faut bien maîtriser, bien utiliser. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je dis oui, mais attention. Et la dernière tendance, qui est une tendance un peu plus discrète que j'ai moins retrouvée dans tous les articles que j'ai vus, c'est la tendance de la typo créative. Donc là c'est vraiment une tendance qui encourage les expérimentations typographiques. C'est une tendance qui va un peu à contre-courant de toutes les marques qui simplifient leur logo, notamment toutes les marques de mode. Et c'est une tendance qui rend en fait la typo presque illustration. J'adore déjà les recherches, j'adore les expérimentations et surtout en typo. Alors bien sûr pas pour une charte graphique, pas pour un logo, mais je trouve que juste pour certains visuels, avoir une typo qui est pas spécialement lisible mais qui est juste un élément graphique qui rend l'image plus esthétique, plus poétique. Moi j'adore, donc c'est pour ça que je voulais quand même partager cette tendance. Vraiment, je l'encourage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais allez, venez, on fait des expériences quoi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré pour vos créations à venir. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les tendances, sur celles que vous êtes le plus susceptible d'utiliser, celles que vous ne validez pas du tout. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens de mes sources. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye.